N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Okay, go, on commence l'histoire. C'est une histoire pas trop d'horreur, mais qui s'est vraiment passée. C'est une histoire vraie et qui s'est passée bien évidemment à une personne que je connais, qui connaît. Du coup, on va l'appeler Linda. Linda, c'est une fille tranquille, sans histoire, pas de problème, qui a un groupe d'amis plutôt bien, tranquille quoi. Du coup, Linda se rend principalement au travail en vélo tous les jours. Donc elle fait un petit peu les trajets de chez elle à la gare, puisqu'elle travaille à la gare en tant que fleuriste. Donc son petit quotidien, voilà, collègue, elle a ses collègues, elle vend ses fleurs et puis rentre à la maison tous les jours de la semaine. Ce jour-là, vient Linda d'aller au travail, normal, elle pose son vélo comme d'habitude, où elle le met plus ou moins tous les jours à la gare, elle le cadenasse, tout bien, et va à son travail comme tout le monde. Fin de journée, un petit peu épuisée, Linda, elle retourne vers son vélo et aperçoit que son vélo a disparu. La différence, c'est que à la place de son vélo, on trouve une feuille qui est scotchée. Linda s'approche de cette feuille, prend la feuille en main, elle sait direct que c'est un petit peu adressé pour elle. Du coup, elle va la lire et ça donne. Désolé, salut Linda, excuse-moi de te déranger, voilà, j'ai dû prendre ton vélo, je suis vraiment navré, mais t'inquiète pas, tu le retrouveras, je te le poserai demain, comme promis, devant chez toi. Je sais qu'on se connaît pas trop, mais voilà, j'avais pas le choix, mais ça me fait, voilà, j'ai pas le choix et vraiment désolé. Et je te donnerai en échange une récompense pour ça. Du coup, Linda, un petit peu gentille, comprend pas trop, n'appelle pas tout de suite la police, puisqu'elle se dit qu'en échange, bon, le gars il est quand même désolé, peut-être qu'il s'est passé vraiment un truc, même le cadenas était quand même coupé, bon bref, et il lui dit qu'il lui offrira un cadeau, et puis voilà, bon, pas plus alarmée que ça, Linda va direction la maison, du coup à pied, et elle se dit que voilà, c'est une mauvaise journée qui s'est passée, puis elle retrouvera forcément son vélo demain, comme promis, devant la maison. Le lendemain, Linda va au travail, fait sa journée comme tous les jours, et vient le moment de rentrer à la maison. En rentrant à la maison, elle aperçoit son vélo comme promis, sauf que sur son vélo, il y a deux tickets de théâtre, puisque Linda, elle aime bien le théâtre, et voilà. Donc forcément, là, elle se dit que c'est quelqu'un qu'elle connaît, ou bizarre. Linda prend les deux tickets de théâtre, c'est une scène en plus qu'elle aime, qui va bientôt se passer. Du coup, elle prend ses deux tickets. Elle a récupéré son vélo est en bon état, donc sur ça, il n'y a pas de souci. Linda, du coup, appelle une copine, se prépare pour cette soirée pour aller au théâtre. Du coup, elle appelle sa copine et vont au théâtre. Les heures défilent, elles sont au théâtre, le théâtre finit. C'est le moment de rentrer, du coup, et vient à Linda de rentrer. Du coup, elle va devant chez elle et aperçoit sa porte d'entrée, du coup, qui est ouverte. Elle rentre à l'intérieur de la maison et Linda aperçoit sa porte ouverte et du coup, en fait, tout simplement, elle aperçoit que son appartement a été cambriolé. En fait, le gars, il a fait exprès de lui avoir pris son vélo, de lui avoir laissé justement ce message, lui avoir offert ses cadeaux pour qu'elle, elle puisse partir ce soir-là et pour pouvoir la cambrioler. Linda, toute triste du coup, et aperçoit que en fait c'était tout un truc pour se faire manipuler, pour pouvoir se faire cambrioler. Du coup, appelle la police. Du coup, la police arrive sur place. Voilà, ils regardent un petit peu l'appartement. Du coup, ils prennent sa plainte parce qu'évidemment elle a porté plainte, ce qui est logique. Et puis voilà. Du coup, Linda s'est fait carrément cambrioler. Du coup, on apprendra par la suite que cette personne n'a pas été attrapée, qu'elle fait ça avec plusieurs personnes, enfin qu'elle aura fait ça avec plusieurs personnes, qu'elle prend un petit peu les documents de chaque personne via Facebook et tout ça, qui fait exprès de te voler des trucs, te laissant un message qui dit que voilà, tu auras un espèce de cadeau dans des tickets de spectacle comme Linda, et après profite de cet instant que toi tu n'es pas là pour justement te cambrioler ou plus. Du coup, lui, on pourra l'appeler le voleur à cadeau. Voilà.
Du coup, l'histoire est finie, voilà, j'espère que ça t'a plu. Il y en aura une plus longue la prochaine fois. Celle-là, elle était assez courte et assez sympa, je trouve. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout, bien évidemment, d'activer la cloche. Et puis, à la prochaine, les gars. Ciao, ciao.